Ok, yo les gens, c'est Injax. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur. Oh bah, ça commence bien, bah c'est bon, je suis dans le lavabo. Merci. Merci le serveur allemand. Je suis sur un serveur putain d'allemand. Bon, je me suis kill, hein. C'est plus rapide comme ça. Je suis sur un putain de serveur allemand. L'épisode 1 sur. Mais what the fuck, je pop encore dans le lavabo, c'est quoi ce délire? Bon, j'ai utilisé la stratégie de la chaise. Quand on utilise la stratégie de la chaise, on ne peut pas perdre. Ce qui est chiant, c'est que je n'ai que mes clés, je n'ai pas de physique gun. Donc je suppose, voilà. Waouh, oh non, merde, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Voilà. Tac. Oh putain, ça fait du bien de me voir en troisième personne. Oh, ils ont mis un genre de clockwork. Alors bon, bon, je parle trop vite là, les gens. Ok, les gens, je suis sur un serveur allemand SCP. J'ai vu que la première vidéo vous a plu, mais vous a très bien plu. Donc je continue hein, mon aventure sur les serveurs assez incroyables et inopportuns, serveurs de toutes les langues. Le premier épisode c'était le serveur russe, d'ailleurs j'ai repéré un autre serveur russe, ça sera pour le troisième épisode. Là aujourd'hui on attaque un SCP allemand. Alors j'ai trouvé, alors ce que j'ai trouvé, hein, je me suis renseigné avant de faire mon truc quand même, hein, j'ai trouvé, c'est un serveur... Non, strudel. Strudel. On dirait que c'est un français lui. Bon, j'étais en train de vous dire, j'ai trouvé, je crois, c'est la CTG, mais version allemande. Donc la CTG, c'est en gros les serveurs de Koopa. Donc je crois que le propriétaire de ce serveur, c'est un youtubeur Gmod, qui a plus de genre 50 000, 60 000 abonnés. Et en gros, voilà, il a 4-5 serveurs. Je crois que j'ai trouvé la CTG, genre, mais... Ça tire, ok, calme-toi, calmez-vous. On va aller voir quand même, de toute façon je suis classe D donc je peux mourir. Oh, Strudel. Yeah. Go. J'ai trouvé un kikou allemand, les gens. Oh. Arrêtez, je suis gentil, j'ai rien fait de méchant. Je me mets sur le frigo, ils vont pas me voir. Oh la violence! Oh, comment il m'a tué, c'était violent. Ok, c'était violent. Mais non, mais je suis encore dans le lavabo, c'est quoi leur spawn de merde? Ok, go. Ok. Bon, je vais peut-être apprendre 2-3 mots en allemand, vite fait, je reviens. Wigit es innen. Bon, ouais, les gens, Wigit es innen, ça veut dire comment vas-tu? Wigit es innen. Sans déconner, je pense que je suis le seul youtubeur qui s'amuse. Bah, je suis le seul mec en vrai. Hein. Oh, on peut s'allonger. Ah, c'est la CTG, je vous dis, c'est vraiment là. C'est la CTG version allemand. Donc, je disais, je crois que je suis le seul youtubeur qui s'amuse à aller sur des putains de serveurs. Ah, bah oui, toi aussi, j'ai bloqué hein, les spawns de merde. Hein. Ah, d'accord, si t'as croupi, ça s'enlève. Je suis le seul youtubeur qui. La seule personne de ce monde qui s'amuse à aller sur les autres serveurs, je pense. Allez. Isgit es innen. J'ai oublié. Aussi, ils ont une map perso. J'aime bien la cantine, je la trouve stylée la cantine. Ils ont une map perso. Hélas, je ne pourrais pas voir ce qu'il y a après. Sauf si j'ai du niveau et je suis que niveau 3. Et par exemple, on va aller voir les jobs. Bah oui, quand j'y pense, on va faire comme sur SCP Russe. On va aller voir leurs jobs. Donc eux, c'est un peu moins développé, c'est un peu plus. Voilà, hein, eux c'est un peu plus comme nous, on va dire, hein, comme je vais dire hein, plutôt. Ah ouais, SCP, what the fuck, 7898. Ah oui, ils ont carrément des gros SCP custom. Hein. Allez, SCP, alors ils ont 049, 173, 096, 106, 999, 1048, 939, 2317. Ah non, oh, putain, dans mon cerveau j'ai bugué en fait. J'ai lu 2317 alors que c'est 3217. 131, 682 et 457. Ils ont des basiques. Ils ont vraiment des SCP basiques, à peu près comme tout le monde en fait. Bower Bugs SCP. Bower Bugs SCP. SCP 343. Attends, je le connais lui. Je sais plus, il fait quoi déjà. SCP 2521. Oh, pas mal le skin. Pas mal. Oh, bien. Ils ont développé le. Alors, Crush of the Broken God. Donc, c'est un groupe d'intérêt. Ils ont débloqué un groupe d'intérêt assez particulier, assez dur à mettre en place en plus. La main du serpent. Et là, il y a des trucs privés. 3216 et 172. Très intéressant, on dirait un genre d'arbre. Oh, un SCP arbre, ça peut être stylé. Et Administrator. The Administrator. J'aimerais bien en choper un à part pour lui demander de me dire une phrase. Oh, je prends son arme. Putain, j'ai pris son arme, j'ai hésité à tirer. Putain, j'aurais dû le buter. Ok. Go. Go.
Je sais pas parler ta putain de langue, mec. Attends, je vais essayer de lui faire parler. Ok, oh. Can you speak English a little emotion? Yeah. Ok, dude. Speak English. You speak English? Okay. Well, I'm not going to say anything to admins or something. Okay. Listen to me, please. I'm French, okay? I'm French YouTuber, you know? I'm Ninjax. I'm French. Here for see the other world of SCP, you know? I'm French, I just want all the German quite SCP. Well, I'm not going to do anything. I don't tell anybody, but oh, be thank careful. You, thank you. Just dude. Can you say just one thing for me, please? What is it? Can you say Ninjax, c'est le meilleur? Ninjax? Go. Oh, I take it. Thank you. Here, make some trouble. Bon, je me suis fait un pote, les gens. Il m'a donné son arme. Bon, j'ai voulu qu'il me dise Ninjax c'est le meilleur. Ça n'a pas réussi. Eh, maintenant il m'a donné une arme. Je pense qu'on va buter. On va buter ce petit garde là. Bon, je pense que vous avez vu, j'ai essayé de lui faire dire Ninjax c'est le meilleur. Il a pas réussi. Mais bon, il était sympa. Je sais pas si j'aurais fait une traduction. Mais au pire, si j'en ai pas fait, je vous le dis. En gros, il m'a dit, je lui ai dit, hey, bonjour, maintenant j'aurais fait une traduction, c'est sûr ça. Bon, bah maintenant j'ai une arme, donc qu'est-ce qu'on peut faire sur un serveur allemand quand t'es français et que tu t'en bats les couilles de ce qui se passe quand t'as une arme? Ah, mais il y a deux personnes armées là, je peux rien faire. Je peux rien faire du tout. Je peux buter des gens, mais bon, oui, je n'ai pas d'arme, c'est chiant. Quand même, vachement sympa le type, hein. Il m'a dit qu'il avait rien, il avait pas me balance, il avait rien me dire parce qu'en vrai. Ouais, j'ai troll en fait quand vous avez. Bon, vous verrez pas ça parce que moi je suis pas un troller, les gens, hein, je vous montrerai pas ça. Mais en gros, j'ai fait un peu de la merde avec lui et l'autre là, et ça, il m'a pas dénoncé donc il est sympathique. Putain, faut que j'essaye de buter un mec avant de me barrer, mais c'est plutôt dur en fait. Parce qu'ils sont toujours en bande de 4 ou 5. Non, y'a plus de balles, y'a plus de balles! Y'a des pistoles! Y'a un pistol! Non, arrêtez! Allez, c'est l'endel! J'ai essayé de mourir, il n'y avait plus de balles. Il restait 5 balles dans cette putain d'arme. Ils sont en train de te tirer dessus, je crois. Vous avez vu comment. Non, oh putain, c'est vrai. Ah oui, comme ça. Oups, là, c'est vrai. Vous avez vu comment c'était marrant? Il a dit y'a un pistol. Eh, franchement, les Allemands, c'est pas mal quand même, pas mal. Donc j'essaye de voir en fait quel job je peux prendre quand je serai niveau 5, mais je crois que je peux rien prendre. Donc je peux pas me barrer du spawn, et ça c'est chiant, j'aimerais bien voir leur map. Ah, stop that! Bon, franchement, ce que je retiens de ce SCP allemand. C'est que c'est aussi le bordel, c'est autant le bordel que sur un SCP que sur un SCP russe en vrai. On va aller monter dessus. Je sais pas ce qui vient de se passer, mais bon, j'aurais bien monté niveau 5 pour potentiellement essayer de choper un job, pour potentiellement essayer de voir la suite du complexe. Ah, c'est bon, je me suis mis en service personnel. Alors je sais pas pourquoi, mais leur site, donc leur map, m'a l'air d'être extrêmement grande. Y a, vous savez, des fois, voilà, il y a un petit bug là qui vient de se passer et j'ai pu voir la map de loin. Wouah, c'est classe! Oh putain, ils ont un hôpital dans la fondation. Genre, c'est juste pas des petits lits de merde pour faire genre c'est un hôpital, mais vraiment des hôpitaux quoi. Donc, ouais, regardez comment c'est plutôt classe leur machin de. Donc, d'infirmerie, on va dire ça plutôt. Ah ouais, mais c'est vachement classe leur infirmerie, hein, sans déconner. Hein. Ah, ils ont même une salle de confinement pour les fous. Hein. F, c'est vachement pas. J'aime bien leur map hein, pour l'instant, j'aime bien. On continue l'exploration, mais j'aime bien. En tout cas, si vous kiffez ce genre de vidéo, mettez-moi des likes. Des likes. Redemandez-en plus, c'est gentil. Oui, j'ai réussi à passer, je m'en bats les couilles du bordel. Bon, explorons leur map. Ah, ça, je reconnais. Ça, au moins, je reconnais cet endroit. Par contre, j'ai qu'une carte de niveau 1, donc j'espère. Ah, d'accord, bon, ici, c'est inaccessible pour eux. Alors que chez plusieurs serveurs, par exemple, c'est quartier scientifique. Par exemple sur Lockdown, hein, parce que moi j'ai été habitué à Lockdown, les gens, hein, je préviens tout de suite. Ici c'est les classes D. Si on dirait qu'il y a un SCP, ou alors une salle de confinement pour SCP, n'importe en fait. Voilà, je passe. Alors, je viens faire le balai de toute façon, moi. SCP 1162. Ah, oh, c'est le trou. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce SCP, mais c'est un trou. On revient le voir dès qu'on finit la vidéo.
Ah merde, cela évite. Je suppose que ouais voilà, ma carte ne passe pas donc je ne peux pas. Donc on va remonter hein, gentiment. Bon bah je pense que j'ai fait le tour hein, parce qu'en fait les autres accès je ne peux pas y aller. Donc comme je vous ai promis on va aller voir 1162. Ma main là, il doit se passer un truc normalement. Alors je ne sais pas comment ce SCP marche hein, mais moi. Oh j'ai le tool gun. Peut-être que si je mets un truc dedans. Non, ça ne marche pas. Pourtant, c'est un trou qui nous donne des choses et qui nous prend des choses aussi. Je crois que si tu mets ta main, par exemple, des fois par moment, tu ne peux ne plus jamais la revoir, ta main. Donc, c'est quand même problématique. Bon, ils veulent pas passer. Ah, ils sont chiants ici, hein. En fait, leur zone de confinement, là, s'il y a 4 personnes, c'est le bordel. Forcément. Parce qu'en fait, ça bloque, c'est trop le bordel, en fait. Donc, moi, ce que je voulais faire, je voulais aller là-haut, là où il y a les classes D. Voilà, nickel, c'est là. Bah, cette partie aussi, on ne l'a pas vue, donc c'est parfait. Il y a plein de trucs, en vrai, dans ce genre de map. Il y a vraiment plein de trucs, hein. Après, moi, j'aimerais pas ce genre de map, vu qu'elle est vachement grande et c'est vachement chelou. Oh. Alors, moi, je vais gentiment aller là-bas, prendre mon tooldown et écrire un petit text screen. Et après, on se retrouve quand je l'ai fait. Ok, on est bien, là. Attendez. Paf. Voilà, Français sont meilleurs que vous, on va en mettre un peu partout, voilà, hop, hop. Bon, on va se calmer là, on va se laisser sur cette magnifique image que les Français sont meilleurs que les Allemands, bien sûr, ça c'est sûr. C'était Injax, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos et de prochaines, ne pas de liker, partager, vous abonner, on va se quitter en troisième personne parce que je suis BG avec mon balai sur le dos. Allez, ciao, et prochaine fois, un serveur russe.